J'habite à Lavandy, à Suger, dans le Puy-de-Dôme, dans le 63, code postal 63490. J'ai deux frères qui s'appellent Sylvain et Mickaël. Ma maman s'appelle Liliane. Mon papa s'appelle François. J'ai deux petits neveux, un qui s'appelle Thomas et l'autre qui s'appelle Mathéo. Je suis fils de paysan et de paysanne. Voilà, j'ai tout dit. Pour, c'est bien une conjonction de subordination. Bien sûr. Tous les soirs, tu fais tes devoirs ? Ah bah bien sûr. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts par les profs le lendemain. Ah bon ? Parce qu'ils tapent sur les doigts ? Non, ils tapent pas sur les doigts, ils tapent sur la tête. Ah bon, d'accord. Et tu les fais tout seul, tes doigts ? Bien sûr. Ouais ? Des fois non, mais des fois oui. D'accord. Et comment ça se passe à l'école, ça va ? Ça va. Ouais. Bien, mais... Je suis fier de moi. Ah bon? T'es en quelle classe? Sixième. Mais bien sûr, sixième. Bon, bah, je sais pas pourquoi bien sûr. Tu pourrais être en troisième? Oula, quand même pas. Oh. Pourquoi? Parce que je suis trop petit. Après, attendez, je vais vous dire ça. C'est un Fend favori 926. C'est une marque. Alors ça, c'est un vieux tracteur, c'est un super 202. Alors ça, c'est une presse. Enfin non, ça c'est un tracteur New Holland. Oui. C'est un tracteur, sauf qu'il est bleu, puis il a plus de puissance. Regardez, il a plus de chevaux. Alors ça c'est un tracteur. Précisément c'est un tracteur avec une fourche. Ouais. Alors je vais vous montrer, mais je suis obligée de vous me lever. Ça s'appelle une fourche. Regardez. Il paraît que c'est ça que t'aimes bien dans le côté paysan, ouais. Ou bien les tracteurs. Ouais. C'est bien verbe savoir. C'est. Et puis comment? S-A-I-T. Je suis fort pour une fois. C'est pour faire des rases, ça par contre, c'est ce que j'ai mis au bout. Alors ça sert comme ça. Ça fait ça. C'est toi qui as fixé les deux morceaux de bois, les ficelles ? Oui, tout. D'accord. Même sur le tracteur. C'est fixé sur le tracteur. Il y en a, ils m'ont dit quand ils ont vu ça, mes parents, ils ont dit toi, t'es un homme, tu vas faire un ingénieur à Grenoble. À Grenoble? Ah ouais.
même des copains, même mon cousin. Il me dit que je suis tout le temps con. Il m'a dit là, tu étais intelligent. Ah bon? Ah, mais même mon père qui n'aime pas mes inventions, il a dit que c'était bien. C'est ingénieux. Oui. Bah, c'est une proposition et je vais te le dire. Regardez. Je vais aller sur une page, mais il va y avoir une leçon. Et puis après, je vais la regarder et je vais trouver. Mais j'ai pas envie de la chercher. On n'a pas fini. Ah ouais, bien. Là-bas, la ferme. Ah ouais? Marquez bien le travail de la ferme. Oui. Hein, Kéral? Mais des fois, il faut te le voir alors. Ah ouais? Des fois, je ne peux pas le faire. Ah, mais bien faire aussi un peu de devoir quand même. Hein? Oui. Et tu préfères quoi, toi, le français, les maths? Le maths, les maths. L'histoire, la géo? Non, pas tellement l'histoire. Les maths? Ouais, j'ai mis les maths. Bon. Même si je m'en fous un peu, mais... Bon, d'accord. Quelqu'un fait un couteau? Un quoi? Un couteau. Ah non, j'ai pas un couteau. Mais non, les paysans, ils ont toujours des couteaux dans la poche. Ouais, mais pas moi. T'as attendez. Pas de... Bah alors. Je vais chercher un couteau. Allez, va chercher vous un couteau. Vous voulez me suivre? Où c'est que tu vas chercher ton couteau? Par là. Ah bon, dans la laiterie. Ouais. C'est aussi un travaux. Ah, c'est la laiterie, là? Oui, c'est là où il va y avoir un tank. Oula, c'est un travaux, non? Oui, c'est partout un peu. Ah ouais, d'accord. Tu l'as trouvé, ton couteau? Bah non, mais on va faire ça. Tiens, Damien. Ouais, merci. Alors, on va aller. Alors, après, je vais vous parler de ma presse. Ça, c'est particulier, parce que ça sert à faire des bottes. Alors, ces bottes, c'est ça. Alors là, il y a les andaines paille, mais ils arrivent, ils montent, puis il y a un gros appareil qui les compresse. Ça fait, c'est comme un piston énorme, ça doit faire 6 tonnes, un piston, et ça fait... Quand ça fait... C'est que ça fait la botte, ça la lie, ça met des ficelles. Alors, je coupe les bottes de foin. Ça a l'air dur, hein, tes ficelles, là. Oui. La dernière a lâché. Heureusement qu'elle n'a pas 10 comme ça, hein. Je voulais mieux un couteau, je pense. Tu aimes bien les animaux? Oh, les animaux, bon. Oui, mais c'est mieux la mécanique. Ah bon? Oui, mais... Les tracteurs, les machins comme ça, quoi. Et après ça pousse encore, ça fait comme ça. Puis il y en a une deuxième qui vient, et cette suite. Plus il y a d'air, plus il y aura de bottes. Moins il y aura d'air, moins il y aura de bottes. Pourquoi elles sont pas dehors, celles-là, elles sont pas dans les prés? C'est pas qu'elles vont les suivre et après il était trop longtemps. C'est quand même révélé. Ils n'ont pas de lait, ben, vous, il peut mourir. Alors après, des boxes. Alors, je vais vous montrer le piston, comment c'est fait. Et c'est le piston, hein? C'est ça. C'est ce gros appareil. Regardez comment ça fait. Ah, d'accord. Et ça pousse. Alors là, il y a une ficelle qui est merde. Puis ça fait... Je ne vais pas la faire tourner à la main. Ah bah non. Ça s'appelle un volant, même si ça tourne et ça va très vite, ça peut aller jusqu'à 5 km/h. Mais ça fait comme sur un tracteur, ça recule, ça va. Mais quand on a pris un bon élan, quand on accélère bien, ça fait et comme ça. J'aime pas l'école hein, généralement. Quoi? J'aime pas l'école en général. Ah ouais, bon, tu préfères la faire quoi? Me rester là, à la campagne. D'accord, à faire quoi? Faire tout ce que je dois faire. Quoi, bien, par exemple? Monter dans les tracteurs. Comme ce matin, je vais les smiter, mon père. Ah bon? Ouais. À Brousse.
Ça, ça tourne. Ça, ça tombe. Vous avez vu? Ça, ça tourne. On roule. Puis ça, les graines se coincent dedans. Puis tombe. Comme là, c'est là. Ça tombe. Et ça sème. Adorable, hein. Après, quand ils grandissent, ils deviennent cons. Pourquoi ils deviennent cons? Parce que
T'aimes pas trop les animaux, toi? Non, c'est... mais quand c'est petit, ouais. Ouais, mais pourquoi? Quand c'est grand, c'est con, là. Oui, c'est pas pareil que quand c'est petit. Quand c'est petit, c'est... Ouais. C'est petit, voilà. C'est mignon. Oh oui. On va aller voir plus loin. On va aller voir des pintades. Personne doit beaucoup y connaître ces pintades. À boire. Allez. Il y en a combien de pintades? 2200. Bon, on va aller y voir. De quoi? Tu veux mettre? Oui. On va y aller. Il y a des pintades. Ça vient d'Afrique, les pintades. Ah bon? Oui. C'est le cousin de la... du casoir. Ouais. Alors voici les pintades. Oh, il fait chaud aussi. Quand les lèvres, nous les frappes, on n'a pas le temps de retourner les yeux qu'on a déjà la moitié qui sont sortis. Ah bon? Ça va très vite. Bon, bah, on a fini le tour. D'accord. T'aurais pas aimé vivre en ville? Non. Non? Il n'y a pas de paysage en ville, c'est que des immeubles. Il y a quoi? C'est que des immeubles. Ah oui, bon, il n'y a pas que des immeubles quand même. Regardez, les murs en ville, on n'a pas. C'est des murs. Ça se mange, je sais pas. C'est sûr, en ville, il n'y a pas de murs, hein. Faut les acheter. Oui, et encore, ça coûte très cher. Aussi, il n'y a pas de noisettes, il n'y a pas d'arbres. Enfin, il y en a quelques-uns, d'arbres. C'est rare. Puis la végétation, c'est pas les... Ici, t'as pas trop de petits sapins, quoi. Si. Oui, mais à l'école. Au collège, oui. J'en ai quand même. Vous êtes nombreux dans ta classe? Ben, 20, 26. D'accord. Il y a beaucoup de petits garçons comme toi qui viennent de la campagne? Non. Enfin, si. Enfin, ils sont là. Si, il y en a un, il est paysan. Pardon? Ah, c'est ses parents qui sont paysans? Ouais. Où ça? C'est You. On est 180 en tout, 186. Ouais. Même. Dans le collège? Oui. Et tu vas comment au collège? Dans un grand car qui vient nous chercher. À Sugère, ça veut dire là-bas. Ouais, d'accord. Et il va te chercher où le car? À Sugère. T'as demain, t'es à l'école? Non, si. Oui? Ouais. Malheureusement. Bah, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Tu vas nous montrer quoi? Un peu la campagne peut-être? Pour le paysage. Les endroits que t'aimes bien? Ah ouais. D'accord. On va monter plus haut. Allez, on va monter plus haut. Ouais, c'est vers la butte là-haut des Malois. C'est quoi ça, la butte des quoi? Des Malois. Ça va les buves. Ah ouais, d'accord. Et donc on y va tout de suite là? Oui. Allez, bah, on te suit alors. On y va à pied? Putain, j'ai trop chaud. Faut que j'arrive, non plus. Vas-y, fais comme chez toi. Le cochon, il est pas là aujourd'hui? Ouais, il doit dormir. Allez, on y va. Oui, champignons, j'ai pas remarqué. Par l'arbre, ouais. Regardez. Une ouais. Souche d'arbre. C'est des fleurottes. C'est quoi? Les pleurotes. T'aimes bien les champignons, toi? Oh, c'est pas mon truc spécial. Ah ouais? Regardez, un beau champignon. Ça, c'est un chevalier. C'est un champignon avec une couronne. Si on mange pas, c'est pas bon. Ah ouais, c'est pas bon non plus, mais... Il y a une vinaigrette. J'ai pas envie de le goûter. Oula, on va enlever cette branche. Je suis assez costaud pour l'enlever. Ah ouais. On va la foutre comme ça. Oh, comme ça, ça va enlever ça. Ouais, au moins ça se met pas dans le chemin. Ouais. Ça nous bloque des fois. On est nos prés avec nos champs. Sauf que ça c'est toujours le même pré de tout à l'heure là où il y a les primochetels. Et là on voit bien la vue sur
le pic de la Garde. Ah ouais, qu'est-ce qui est blanc en haut là? C'est une vierge. Ah. C'est la vierge. Il y a la vierge. Ouais, il y en a une. Et il y en a une en face là-bas. Où ça? Sur la commune, sur Aluçon là-bas. Ah. On voit la petite butte, mais il y en a une là. Ah, il y en a une autre là. On en voit une? Tu peux jouer une? Bah, des vierges. Ouais. Parce qu'on les voit toutes. Ah ouais? On est dans le champ de vision. Elle est alignée pile poil avec celle-là. Ah bon? Mais ils ont fait exprès. Du thym sauvage. Ça sert pour aromatiser les plats. C'est très bon. Oui. Elle doit bien avoir des moussons et des champignons par les près. Des petits champignons. Avant, là, il y en avait des petits champignons. Il y en a plus cette année. C'est sûr, hein, si t'étais en ville. Hein. Ouais. On ne va pas voir tout ça. Hein. Ah non, c'est des grands, grands champignons, oui. Des immeubles. Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'est bien comestible, mais bon. Tout est, c'est des champignons, ça pousse vite. Tu vas souvent à Clermont-Ferrand? Pourquoi faire? T'aimerais pas aller habiter en ville? Non. Pas du tout. Pourquoi? Ça pue, ça c'est pollué. C'est irrespirable. Pourtant, en ville, il y a des cinémas, tout ça. Oui, mais... T'aimes pas le cinéma? Si, mais à ce genre, des fois, il y en a. T'as envie, c'est 3D. Eh ouais. C'est pas pareil, non. C'est combien de dés, ici? Zéro. Ah, oh, des doudous. Aïe. Alors, tu nous emmènes dans ton bois, là? Eh ben, on va dans le bois. Bon, là, elle va chasser, c'est impressionnant. Bon. On va pas... Oh, c'est quoi, ça? Ah. Oh, la charolaise. Folle. C'est quoi ça? C'est des vaches? Ouais. Non mais c'est... Ah, je vois que c'est des vaches, mais c'est quoi? C'est pas des... C'est des veaux? C'est des génisses? C'est des vaches. Ah, lui, ça c'est un taureau. Lui c'est un taureau, ouais, je vois. Ouais, mais il est pas bien gros ce taureau. Ça doit être un petit jeune. Oh, des ailes est reparties. Bon, on va y aller. Ah, c'est pas elle qui les a fait... courir les vaches, non? Oh oui, oh, mais même nous on a dû les attirer. Parce que... Elles sont curieuses les vaches. Ouais. Normal, c'est des vaches. Les paysans maintenant c'est pas trop dur. Comme travail. Non? C'est pas tellement dur parce que maintenant, c'est toute la technologie. T'as presque plus rien à faire. T'as juste qu'à regarder, c'est bon. C'est fait le travail. Ouais. C'est maintenant t'as plus que sur des boutons, ça fait le travail tout seul. Ah ouais? Eh oui, c'est maintenant le tracteur il se conduit tout seul. Tout seul? Eh oui, il y a un machin, c'est branché au satellite dans le ciel. Donc on voit bien dans l'espace. Et ça manœuvre le tracteur tout seul. Ah ouais, c'est quoi? On entre par là, allez-y. Vas-y. Vas-y, entre, regarde. Pourquoi? Montre-nous le chemin. Ah bon? Bah ouais. On passe juste en dessous. Venez. D'accord. T'aimes bien les bois? Ouais, mais bon, faut pas s'y faire monde. Bon, là, ça va être l'entrée. Là où il y a moins d'herbe. Bon, faudrait que quelqu'un mette par contre à escalader. Mais sinon, on peut tout. Tu sais grimper aux arbres? Ouais. Ah ouais? Je peux montrer même. Ouais, vas-y, montre-nous. C'est dur quand même. C'est dur, hein? Oui. Ah ouais. Regardez, cette noisette, elle est magnifique. Ah oui, elle est belle celle-là. Hein. Oh bah yo, tu grimpes bien quand même, hein? Ouais. Le bled. Là, je vais vous vautrer surtout. Non. Tu vas te vautrer? Non. Non, t'es pas loin de par terre. Encore un petit peu. Et voilà. Bah bravo, ouais, Damien. J'arrive pas trop à monter quand même. Ouais, mais c'est bien. T'arrives hein. Bien à descendre en tout cas. Ouais. Ouais. Une fois, j'y suis monté très haut sur un arbre. Ah ouais? Sauf qu'une fois, j'ai failli pas redescendre, mais j'ai redescendu. Ah bon, t'as failli pas redescendre? C'est vrai? C'est ton père qui est venu te chercher. Bon, mon père, il faut pas l'emmener là-haut, sinon. Il y a 2 mètres de hauteur, il y a les vertiges. Ah, je crois que c'est chaud. Vas-y, monte. Vas-y. Et ça mène où là? Par en bas. Oui, mais par en bas où?
Je sais pourtant. Daisy. Bon, t'inquiète pas. Là. On se reconnaît bien. Ouais. De nous attendre là-bas. Ce soir, elle est repartie au village. Hein. Oh, oui. C'est malin, ce petit chien. C'est malin. Ouais, c'est du trèfle. Un peu de la luzerne. Ça, c'est de la luzerne. Ah ouais? Ça aide pour le lait. Ça fait de... Ça donne de l'oméga. Ah bon? Oui. Avec bah. Le lin. C'est toi qu'on appelle professeur Damien? Ah bon? Pourquoi? Non, j'aime pas. Je suis pas un intello à ce point. Mais bon. Bon, il y en a, ils me le disent bien à l'école, mais... C'est quoi? Je suis un intello. Ah bon? Oui. Non, parce que tu sais plein de choses. Oui. Je ne sais jamais faire. Eh oui, on va pas rester tout le temps petit. Hein. Faut apprendre. Mais comme moi je suis un intello, faut que je saute quelques classes même. Hein. Bah oui, c'est parce que si tu sautes toutes les classes, comme ça tu peux arrêter l'année prochaine l'école. Oui, ah bah comme ça va passer. Comme ça va passer. Alors si ça se produit, c'est un miracle. Mais alors là, vraiment un miracle. On va coucher le soleil. Waouh, il est beau. Une particularité, les éoliennes, c'est que ça produit d'électricité. C'est écolo parce que c'est le vent qui fait tourner les pales. De ce côté, elles tournent toutes, mais là-bas, il n'y en a pas beaucoup qui tournent. Il y en a une. Ah bon? Oui, il y en a une qui tourne. Et celle de droite, elle est toujours arrêtée ou non? Laquelle? Oui, elle est tout le temps arrêtée, elle est super. Et elle est tout le temps arrêtée à même endroit. La pale, on dirait qu'il n'y a jamais bougé de passe. Je sais pas, il doit avoir un souci sur cette éolienne. Les éoliennes, il y a une commandante et il y en a d'autres. Alors la commandante, c'est celle qui est plus à droite là-bas. Enfin, plus à gauche. Suivant comment on regarde. C'est elle qui commande toutes. Alors c'est elle qui. La première qui commande de donner. Enfin, de éclairer la nuit. Puis c'est elle la première qui commande de. D'éclairer en rouge. Voilà. Coupé! Pourquoi tu vois que c'est pas coupé? Non mais... Je dirais, est-ce que c'est bien?